Je n'ai pas 20 ans et je sens l'héritage dans mes veines d'enfant du poids de tous les âges. Pourtant je suis bien sage, ma jeunesse n'est pas du genre le plus fougueux qu'on lui connaît parfois. Mais 18 ans c'est long, on n'imagine pas tout ce que l'on peut vivre durant ce temps-là. Et puis le sentiment d'avoir perdu du temps à lui courir après, rattraper vainement les heures de sommeil qui me sont des trésors. Enfin je ne savais qu'elle vaudrait de l'or. Je croyais l'énergie ressource intarissable. Quelques années plus tard je vis l'inévitable. Aujourd'hui je travaille, je vis tel un prêtre qui la durée du jour seulement se fait paraître. Et je gaspille mon temps à repousser les tâches qui s'accumulent le temps dès que je me relâche. Je n'ai pas 20 ans et la vie qui m'attend me semble bien plus brève que celle d'antan, où la limite me semblait indéfinie. Mais maintenant je compte les jours de ma vie. Je vois son terme et le plan qu'il faudrait remplir tous les 10 ans correctement pour réussir. Et je sens l'urgence à vivre dorénavant, ce qu'il faut profiter pour être dans les temps. C'est la mélancolie qui trouble tous mes sens. Je ne veux pas pourtant retrouver l'innocence, mais je suis nostalgique de mes années d'enfance, pour leur cœur bien rempli et leur tendre insouciance. Mais le quitter me plaît pour vivre de plus belle. La raison, l'expérience les rendent